Oui, bon, une dernière question alors. Ah mais bon, je suis pas pressé parce que. Non, mais je sais pas si. Je suis prêt, moi. Ça me passionne, moi. Oui, j'aurais une petite question en fait. C'est vrai que depuis le départ, le sujet c'est l'écologie. Donc vous êtes intervenu essentiellement là-dessus, mais en tant qu'héritier de la lutte des classes, du communisme, etc., de toutes ces valeurs-là, j'aimerais savoir de quelle manière vous arrivez à combiner votre combat écologiste et le combat social. Comment ces deux questions sont liées? Je vous fais référence, je ne sais pas si vous avez lu le livre de M. Camp, Comment les riches détruisent la planète. Et justement, il développe une réflexion dans ce livre où il dit que. Il faut vraiment lier ces deux questions. On peut résoudre la question écologique sans résoudre la question sociale. Et justement, le risque, c'est qu'on sépare ces deux questions-là. Alors, est-ce que vous, justement, dans votre cheminement intellectuel, vous avez des réponses à ces questionnements ou... C'est bien. À la limite, il n'aurait pas fallu que tu me poses la question. J'aurais dû en parler dès le début. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que les questions de l'écologie sont très liées aux questions sociales. Je ne veux pas revenir là aussi, développement durable, les trois pieds du développement durable, le social, l'environnement et puis l'économie. Et c'est vrai que depuis le début, je me rends compte, donc va pas me dénoncer auprès du Parti communiste, parce que je me rends compte que je fais attention. C'est vrai, non, mais c'est très important. J'aurais dû peut-être davantage, si bien que tu poses la question, faire lien avec les questions sociales. Parce que d'une part, c'est indiscutablement partout sur la planète. Partout sur la planète, que ce soit chez nous, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, les premières victimes des problèmes environnementaux sont les plus pauvres. La question de l'eau touche prioritairement, bien sûr, les peuples les plus pauvres. L'augmentation du niveau de l'eau va toucher les populations qui sont les plus pauvres. Le développement des biocarburants concerne les populations les plus pauvres d'Amérique du Sud qui vont être chassées de leurs terres, où il y avait des agricultures vivrières, pour développer une forme de monoculture. Et donc, les conséquences des choix qui sont faits ont des conséquences directes sur le devenir de la planète. Et je dirais que, en plus de ça, il faut donc... Ce qui veut donc dire, moi, en tant qu'élu, ça sera un des thèmes du congrès de l'Association des élus communistes de la semaine prochaine, en tant qu'élu, il faut donc qu'on ait continuellement qu'on fasse continuellement ce lien entre les choix de gestion que l'on peut faire au niveau environnemental et les questions sociales. J'ai consacré un chapitre du livre sur une... Parce que un mois pratiquement avant que je livre le manuscrit à l'éditeur, je parle avec un copain, et alors je lui explique quel chapitre j'avais dans le livre, puis j'avais rien sur l'écologie urbaine, ce que je connaissais peu. Mais tu te rends compte, tu seras en environnement, rien sur l'écologie urbaine, mais enfin, c'est pas possible. Donc, j'avais un copain là, à l'Assemblée, c'est Gosnac et Maire d'Ivry, hein, qui justement m'avait invité à aller visiter un quartier d'Ivry, c'est Ivry-Port, Ivry-Confluence, où ils font des choses très intéressantes, ils vont refaire tout un quartier, j'y suis allé, j'ai passé une journée, et j'ai essayé de comprendre. Où les réponses en termes d'urbanisme, par exemple, sont des réponses qui tiennent compte des questions environnementales, mais énormément des questions sociales. Et moi, je crois que, par exemple, la priorité des priorités, ça apparaît dans tout le livre, notamment dans le dernier chapitre, la priorité des priorités, c'est que, je reviens sur la question de tout à l'heure, en fait, cette question éminemment politique, et que les peuples se réapproprient leur destin, et donc par le développement de liens sociaux, notamment, de liens sociaux. C'est très très important au niveau des politiques urbaines qu'on peut avoir, mais y compris au niveau des politiques rurales. Et ce que je dis, il faut qu'on accompagne toutes les initiatives, à quelque niveau qu'ils soient, qui sont des initiatives de résistance au système. Pendant quand j'avais ton âge, je pensais au grand soir. Hein. On a souvent eu tendance à dire on va attendre la révolution pour que les choses se règlent. Moi, je dis que le grand soir, il se fabrique tous les matins ou tout le temps. Quoi. Et il faut que systématiquement, par rapport à des questions sociales en particulier, qu'on essaie d'apporter des réponses qui sont des réponses de proximité. D'où la nécessité, je l'ai dit tout à l'heure, de redonner par exemple du pouvoir aux salariés dans les entreprises, bon c'est un exemple, je crois beaucoup à ça, donc à la fois parce que je trouve que c'est un enjeu d'un bon développement économique et c'est un enjeu au niveau de la protection environnementale, donc je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire de donner du pouvoir aux salariés,
pour moi, c'est vraiment prioritaire. Et en même temps, qu'on mette en place tout ce qu'il est possible de mettre en place comme système alternatif. C'est-à-dire, notamment dans le domaine agricole, qu'on développe de plus en plus les liens entre le consommateur et le producteur. Il y a les AMAP et d'autres. Que dans le domaine de la production économique, sans pour autant mettre en cause les PME qui ont un rôle déterminant, qu'on développe, quand on le peut, des systèmes du type coopérative ouvrière, qu'on soit beaucoup plus offensif par rapport à ça, qu'on développe tous les réseaux qui sont les réseaux de proximité, au niveau social, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre pays. On évalue à peu près 2 millions de personnes aujourd'hui déjà dans notre pays. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme une niche, ça. Et à la limite, c'est presque des niches qui profitent au système. Parce que le système, en fait, considère qu'il y a ces niches-là, et qu'à partir de, en dehors de ces niches, on peut faire ce qu'on veut. Et on développe un capitalisme sauvage. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement important de passer de cette approche qui est une approche de niche à une approche beaucoup plus globale. Et je le dis, notamment à mes camarades communistes, comme j'ai une élue ici, il faut que nous, par rapport à ça, on soit à la pointe de ça. Qu'on soit à la pointe par rapport au fait que l'appropriation de la politique par les citoyens, il faut vraiment qu'on le fasse, il faut que ça soit vraiment quelque chose de permanent chez nous, et qu'on soit à la pointe pour accompagner le développement de réseaux qui soient des réseaux qui soient alternatifs par rapport au système. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne pose pas les questions de beaucoup plus importantes, de remise en cause du système à un niveau beaucoup plus élevé.